cel sunt de sară și pentru atâta lucru parioară, parioară nu ți-ar mai putrezi trupul. Și zi mai Bună ziua, dragii noștri! Continuăm seria de interviuri pe teme sportive. De această dată îl avem ca invitat pe domnul Bernard Barret, vicepreședinte operații și recrutma la grup Yvon Michel. Bienvenue, monsieur Bernard Barret, dans notre studio. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mulțumesc, bună ziua! Monsieur Bernard Barret, vous êtes un grand connaisseur de boxe, vous êtes un passionné de boxe depuis quasiment 30 ans. Vous avez commenté des émissions de boxe à Radio-Canada, récemment, depuis 3 ans, chez analyse de boxe chez TVA. Comment vous voyez le boxe québécois maintenant par la prisme d'un entrepreneur, finalement, vous êtes vice-président d'opération et recrutement. La boxe professionnelle au Québec, ça porte très bien, Marius. Ça l'a beaucoup changé, ça l'a beaucoup évolué au fil des années. Et si on se rappelle, dans les années 80, dans les années 90, Régis Lévesque était un promoteur qui organisait énormément de programmes de boxe régulièrement. À l'époque, c'était plus au Centre Paul Sauvé, Forum de Montréal. Et c'était très local comme boxe. Là. Et rarement, on a eu de grands combats internationaux, si on fait exception, du championnat du monde, Matthew Hilton contre Buster Greaton en 1987, quand Matthew Hilton était devenu champion du monde. C'était généralement Québec contre Montréal ou Ontario contre Québec. Donc, c'était vraiment là, des rivalités locales. Niveau provincial. Exactement. Provincial ou national. Un peu nord-américain, mais ça tournait alentour de ça. Quand Interbox a été mis sur pied en 1998 par M. Muleg et Yvon Michel, mais là, à ce moment-là, la boxe est devenue internationale et le premier boxeur qui a été signé en fonction de damnation au niveau international, c'est un Roumain qui est allé au nord de Rennes, qui avait été champion du monde amateur en 1995 et double médaillé de bronze aux Jeux olympiques. En 92 à Barcelone et en 96 à Atlanta. Moi, j'étais là pour Radio-Canada en 96 à Atlanta. Et bien entendu, avec Yvon était là comme entraîneur de l'équipe nationale. On voyait beaucoup de potentiel dans les nord-d'Arène chez les professionnels. Parce que même s'il performait au niveau amateur et parmi les meilleurs au monde, il y avait le style déjà de boxe professionnel. Qu'est-ce que vous a frappé? Qu'est-ce que vous a déterminé de recruter Leonard Dorin? C'est justement à cause de son style. Lui avait le style, la cloche à sonne, il était déjà là, parti au travail. C'était un boxeur offensif qui lançait énormément de coups, beaucoup de volume de coups. Donc, il donnait beaucoup d'action et il avait un grand talent. Donc, on se disait, chez les professionnels, on ne s'ennuiera pas avec lui, ce qui a été le cas, ce qui l'a amené à devenir champion du monde chez les professionnels. Donc, ce gars-là a fait une carrière de boxe extraordinaire avec ses résultats amateurs pour la Roumanie et avec ses résultats professionnels, mais là, pour le Québec et pour le Canada. Comment vous voyez maintenant, il y a plusieurs années en arrière, cette évolution-là des Roumains dans votre club? Ça a commencé par Leonard Doroftei, puis ça a continué avec d'autres boxeurs. On va y arriver, évidemment, Lucien Boutet. Mais Doroftei, pour finir avec lui, avez-vous eu la confiance qu'il va être un champion? On était convaincus, nous, de par son style. Puis là, quand on a rencontré sa détermination, lui était ici en mission, déménager avec sa famille. Puis pour lui, il n'était pas question d'autre chose que de devenir champion du monde et le plus rapidement possible. Finalement, il le fait au Texas contre Balbi au début de 2002, en janvier, défendu son titre en Roumanie, à Bucarest, à la salle polyvalente de Bucarest, au mois de mai 2002, contre Balbi encore. Après ça, il a affronté Paul Spadafora,
qui avait une fiche de 46 victoires, aucune défaite, dans une unification de titre, et il a fait un combo nul chez Spadafora à Pittsburgh. Donc, déjà, ça donne une bonne idée. Malheureusement, ben, par la suite, il s'est désintéressé un petit peu, et il est revenu quelques mois plus tard pour affronter Arturo Gatti. C'était sa seule défaite de carrière, mais c'était une dure défaite. Arturo Gatti, le pincé coup au corps, paf, de RFTI au sol au deuxième round, et par la suite, ben, il est passé à autre chose. Mais de RFTI a ouvert la porte à de nombreux autres Roumains qui sont venus par la suite, parce que le suivant, c'était Diaconou, après les Jeux olympiques de 2000, qui était venu ici avec Crinou Olteanu. Et Crinou Olteanu avait été champion du monde, lui, amateur, en 2003. Malheureusement, ben, il avait bien fait aux Olympiques, on l'avait remarqué, mais il est venu ici, il a fait un combat, il a gagné son premier combat, il est retourné chez lui. Il n'a pas discuté à s'adapter. Alors que Diaconou, lui, après une belle carrière chez les amateurs, participation des Jeux olympiques, ben, il est devenu champion du monde chez les professionnels. Il a fait deux combats d'enfer avec Jean Pascal, on s'en rappelle. Un combat serré contre Chad Dawson, qui était une vedette à l'époque. Finalement, il a quitté la boxe, mais il a laissé un bon souvenir à Adrien. Il était comment? C'était un boxeur Adrien. Fort physiquement. Puissant, ça comme fort comme un bœuf. Une force de frappe. Puis lui aussi, là, c'était la technique, on laissait un petit peu de côté, lui cherchait le trouble, il donnait beaucoup d'action, puis il était puissant. Donc, c'est sûr que pour les gens, il l'a adopté rapidement aussi, Diaconou, à cause de son style. Par rapport à leurs intégrations, si on parle de Dorothée, Diaconou, comment avez-vous trouvé leur manière de se laisser adopter par le Québec, vivre ici au Québec? C'était assez facile. La communauté roumaine, bien entendu, tout de suite, s'était impliquée face à ces jeunes boxeurs-là. Et eux, ils ont aimé Montréal. C'est sûr, ils ont trouvé ça difficile. Les hivers sont durs ici, là. Il était encore plus dur avant. Donc, ils ont trouvé ça un petit peu l'adaptation. Mais ils ont bien aimé. D'ailleurs, ils demeurent encore ici. Ben, Dorine est retourné chez lui pour travailler à la Fédération de boxe. Mais ses enfants qu'il y a eu ici, il y en a un chez qui travaille, je pense, à l'aéroport. Et j'ai entendu dire que Léonard aurait intérêt à revenir, là. Il est allé continuer une autre carrière chez lui en Roumanie, mais il n'a pas fermé la porte à revenir ici au Québec parce que ses enfants ont beaucoup d'attachement. Puis il a l'impression qu'ils vont faire leur vie ici. Alors, Dorin Dorofte, puis Diaconou. Les autres, ils ont fait un travail, disons, de pionnierat ici au Québec. Ah, ouais. Puis on arrive au moment le plus spectaculaire, le plus important, le plus intéressant de boxe roumain à Montréal, évidemment, Lucian Bouté. Racontez-nous, comment avez-vous découvert, comment ça a commencé cette histoire d'amour avec... Lucian Bouté, c'est le chouchou de la boxe du Québec, tu sais, en tout cas, surtout pour les madames, là, plus particulièrement. Et puis, Lucian, on a commencé à le remarquer parce que lui, en 1998, il avait gagné la médaille de bronze au championnat du monde amateur, qui est quand même très compétitif. L'année d'après, il s'en va chez les seniors, il gagne encore une médaille de bronze, c'était à Houston, au Texas. Il y avait championnat du monde amateur 99 seniors, gagne médaille de bronze. On a commencé à dire, tabarnouche, il est bon, lui. Lui, il est vraiment bon, gaucher, grand gaucher, boxe à bien. Vous avez besoin d'un gaucher? Oui, à l'époque, c'est une des raisons pourquoi on l'a emmené. En 2001, on le suit, il est au Jeu de la francophonie qui avait lieu à Ottawa. Et donc, on était sur place. Il a gagné, lui, la médaille d'or au Jeu de la francophonie pour la Roumanie. Là, on a dit, c'est le gars que ça nous prend, puis on regardait, on va continuer. Là, on suivait sur ces tournois, mais on s'attendait à ce qu'il y aille aux Jeux olympiques en 2004 à Athènes. Ça, là, c'était comme la prévision. On s'est dit, on va pouvoir probablement la tirer après les Jeux olympiques. Fait qu'en 2003, il a participé au championnat du monde amateur à Bangkok, en Thaïlande. J'étais là. Et il a gagné ses deux premiers combats. Donc, je me disais, crime, son affaire va bien. Mais il a affronté Gennady Golovkin, qu'on connaît tous aujourd'hui. Et Golovkin, lui, avait été champion du monde junior. Et là, c'était son premier championnat du monde senior. Et tout le monde en avait peur. Mais Lucian a forcé le combat. Après le premier round, il était en arrière. Après le deuxième round, il était en arrière. Puis il forçait. Puis le troisième round, il était en arrière. À l'époque, c'était 4 rounds de 2 minutes. Puis au quatrième, bang, il s'est fait pincer. Donc, il est allé au sol, il était branlé, le combat arrêté, il était démotivé, il pleurait, pensait que sa carrière était finie. Et c'est là qu'on l'a approché, parce que moi, à l'époque, Lucian ne parlait pas français, ne parlait pas anglais. J'ai fait comprendre que
Je le ramenais à Montréal avec l'équipe d'Interbox parce qu'on avait besoin de lui comme partenaire gaucher de Eric Lucas qui s'en allait affronter, lui, Marcus Bayer en Allemagne en combat de championnat du monde. Il allait défendre son titre. On avait besoin d'un sparring partner et Lucian était pour faire la job. Puis on a dit, je suis convaincu que bien encadré par Stéphane Larouche chez Interbox, tu vas devenir un jour champion du monde chez professionnel. C'est ce qu'on a vendu à Lucian Bouté et c'est ce que Lucian Bouté a acheté. Donc, Lucian Bouté, on l'a emmené. Il a effectivement été très bon partenaire d'entraînement pour Eric Lucas. Il a commencé sa carrière professionnelle. Yvon, Michel et moi, on était convaincus qu'il deviendrait champion du monde. Puis c'était le plus grand champion du monde qu'on n'a pas eu. Il était champion du monde de 2007 à 2012. Il a une fiche de 10 victoires, 2 défaites, 1 combat nul en combat de championnat du monde. Puis il a le record de défense de titre de champion du monde. 9 fois, il a défendu son titre de champion du monde. C'est le premier à avoir fait ça. Il n'y a personne qui a battu ça à date. Donc, c'est une carrière exceptionnelle de Lucian Bouté. On peut dire qu'il y a eu une belle carrière chez les amateurs, mais une carrière exceptionnelle chez les professionnels. Mais pourquoi c'est arrivé? L'encadrement, le talent, surtout le sérieux que Lucian Bouté a démontré. Lucian Bouté, là, on ne courait pas après là, sa rue ou dans les clubs le soir, ou savoir, il est-tu où, il va-tu à l'école demain matin? Lucian Bouté, c'est un soldat. Il était là tout le temps quand il était supposé d'être là. Il a fait tous les efforts nécessaires. Au-delà de son grand talent, il ne s'est pas fié sur son grand talent. Il a mis le travail avec le talent, c'est le résultat que ça a donné. Beaucoup de discipline, beaucoup de détermination. C'est devenu un modèle. Nous, on a eu Eric Lucas, qui est devenu un modèle un peu de son style de vie. Les gens regardaient Eric Lucas et disaient « Wow, les madames, ils voulaient tous la voir comme Jeanne ou les petites comme Chum. » Bien, quand Eric Lucas, sa carrière s'est achevée, mais Lucian Bouté, il était rendu déjà là puis il a pris la relève. Il est devenu un modèle qui finalement fait en sorte que les gens ont une autre image de la boxe professionnelle. Modèle social et modèle d'athlète en même temps. Implication et discipline de vie. Là. Tu sais, ce gars-là est à son affaire. On peut envisager un autre match de Lucian Bouté? Lui seul le sait. L'opportunité est encore là. Il a seulement 37 ans chez les super moyens. C'est pas encore très vieux. Il y a encore peut-être 1 ou 2 années, ou peut-être même 3 de carrière. Mais est-ce qu'il a vraiment besoin de ça? Là, c'est sûr qu'il est déçu de sa dernière défaite, qui a été une dure défaite. On va être donc, déçu, oui. Ça va être à lui, avec sa famille, de voir est-ce que j'ai l'intérêt, moi, là, à me lever à 6 heures le matin, m'en aller au gymnase, aller courir, embarquer sur les machines, m'entraîner, faire du sparring, faire des combats d'entraînement avec les gars. Dans le fond, est-ce qu'il est, après avoir fait ça toute une grande partie de sa vie, d'adulte, est-ce que là, il est encore allumé pour ça? S'il est allumé pour ça, il va avoir d'autres opportunités parce qu'il va retourner dans sa division de poids naturel. Puis avec les résultats qu'il y a eu l'année passée, les gens vont... T'es en la boxe, t'es aussi bon que ton dernier combat. Lucian revient, fait une bonne performance, ça spin là. T'sais, les gens oublient, t'es aussi bon que ton dernier combat. Monsieur Barré, nous vous remercions beaucoup de votre présence dans notre studio. On souhaite à Lucian une bonne continuation dans le boxe, parce que le boxe, que ce soit dans le ring ou à l'extérieur du ring, c'est une passion, puis on est convaincu que Lucian ne va pas arrêter ici. Bien, Multumes Marius et la révédérée, mes amis roumains. Aceasta a fost emisiunea legată de lumea boxului cu domnul Bernard Barré, recrutor, vicepreședinte operației la grup Yvon Michel, căruia îi mulțumim pentru a ne fi făcut portretul boxului românesc în Quebec. Vă așteptăm cu alte ocazii. Mulțumim! La revedere! Atunci când biserica este plină și oamenii au dorința de a se adăpa din zvorul dumnezeesc, bucuria ei e deplină. Biserica, știți prea bine aici în diasporă, are pe lângă rolul său spiritual de conducere a omului spre lucrurile superioare duhovnicești, are și rolul social și motorul meu ca preot
aici, în această comunitate, este următorul. Biserica este o familie și fiecare membru al familiei trebuie să împărtășească bucuria care se creează în sânul acestei celule, care e familia. Biserica noastră se săduiește și, spun eu, reușește să atingă acest lucru minunat, acest deziderat al comunicării, al comuniunii. După Sfânta Liturghie avem și masa comunitară, avem și invitați deosebiți, avem grupul nostru Tara Bostes, care ne încântă cu frumoasele lor creații muzicale. Dau aceste exemple pentru a ilustra și aspectul social, și cultural, și comunitar, și aceasta este biserica noastră aici, în Canada. Îi încurajez pe părinți să aducă copiii la biserică, pentru că dacă nu creezi un om puternic, spiritual, psihologic, în această societate pragmatică, nu realizezi mare lucru. Aici în Quebec și nu numai, viața este foarte tumultoasă, o viață pragmatică, practică, de multe ori tensiuni sociale și la servici și mai departe. Trebuie să fii un om puternic. Biserica te creează un om puternic pentru că ai puncte de repere esențiale. Hristos, Sfinții, Biserica, toate acestea sunt niște modele. Oricând urmezi esența și știi după ce te ghidezi, nu te pierzi, nu te rătăcești, ai ancore puternice. În vremea aceea, pe când trecea Iisus, doi ori se țineau după el, strigând și zicând, miluiește-ne pe noi, Fiul lui David. Iar după ce a intrat în casă, au venit la el orbi și Iisus i-a întrebat, credeți că pot să fac eu acestea? Zisau lui, bine ați venit la noi, în comunitatea noastră de români, de aici, din Saint-Eustache și regiunea din Saint-Eustache. Suntem o comunitate foarte frumoasă de români, care ne adunăm cu drag la această minunată biserică, condusă de Părintele Vasile Trif. Sfântul Pantelimon, ocrotitorul bisericii noastre, îl sărbătorim așa cum se cuvine, la noi, la români, făcând bucate tradiționale, ciorbă de perișoare tradițională, sărmăluțe cu smântână, prăjituri făcute de casă. Ne bucurăm tare mult să avem mulți oaspeți la sărbătoarea noastră. În primul rând, căldura cu care oamenii din această comunitate te primesc, te simți ca și acasă, și pentru că foarte mulți dintre ei sunt ardeleni, ardeleancă fiind și eu, mă simt ca și acasă. Este ca și o trecere în timp în România pe meleagurile natale, deci este o plăcere deosebită să fiu cu ei. Este o onoare pentru mine ca să reprezint asociația, pentru că este o asociație non-profit, în fața guvernului, să le fac rezultatele financiare și să-mi aduc un cât de cât aport la viața socială de aici. Deși stau la Montreal, cum am spus, sunt foarte prezentă la toate activitățile, fie că este la biserică, fie că e o petrecere. Suntem tot timpul împreună, chiar și în vacanțe. Avem peste 250 de membri, oameni care vin la biserică regulat și care se bucură de tot ce le putem aduce noi. În afară de comunitatea spirituală, le aducem și partea socială. Noi organizăm aici la biserică diferite evenimente cu caracter cultural, cu caracter de socializare. Avem un cor deosebit, avem grupul Tara Bostes, care probabil că multă lume îl cunoaște deja, și suntem mândri de tot ce am realizat. Oportunitatea de a pune o lumânare, fie că e la vii, fie că e la morți, este un lucru mare la noi în comunitatea noastră de la Saint-Eustache, Domontagne, la Valais, la Val-Ouest.
Pentru că aici putem face o rugăciune, aici putem face, putem pune un părăstas, după un părinte, după o mamă, tată, după oricine. Deci, faptul că aici putem desfășura o activitate de Sfintele Paște, o activitate de Crăciun, comunitatea noastră este foarte mare. Românii se adună într-un loc, cântăm românește, mâncăm românește și bem românește. Cine trece?